Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un haul qui vient des Créateliers de Caracol, donc il se trouve à Grévenier. Donc, je vous ai mis ici donc le site internet parce que vous pouvez commander donc par internet. Et si je me souviens bien, jamais commandé par internet. Moi, j'ai à me rendre à la boutique, mais c'est frais de port gratuit à partir de 50 euros en Belgique et 60 euros en France. Donc voilà, comme ça, vous savez. Donc moi, je me suis rendue à la boutique et j'étais agréablement surprise. Donc j'ai un peu cherché parce que je suis arrivée du mauvais côté de la route, donc je ne voyais pas le magasin vu qu'il était, il est un peu caché sur le côté. Donc si vous venez du dessus de la route, faites attention, c'est bien caché. Quand vous venez du dessous, vous le voyez, il y a une grande affiche. Donc voilà, ça c'est déjà une première chose. Et j'étais super bien accueillie. Dès que je suis rentrée, on m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Moi, j'étais juste là pour vraiment un peu chiner et regarder ce que je voulais. Donc voilà, mais après j'ai posé des deux trois questions parce qu'il me fallait des éléments qu'ils n'avaient pas ici parce que c'est en rupture de stock. Mais voilà, on m'a vraiment aidée et j'ai vraiment passé un bon petit moment et j'y retournerai, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je vous montre un peu ce que j'ai acheté et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, alors la première chose que j'ai fait en allant dans la boutique, c'est vraiment à l'entrée, il y a tous des pleins de tampons en réduction et donc vraiment je me base. S'il y a des réductions, je vais vraiment aller dessus, comme ça je sais que voilà, j'aurais fait ma bonne petite action. Et donc bah, il y avait ici, je connais pas. Et, hop, donc c'est Laura. Je vais pas y arriver. C'est Laura Bellon. Bellora. Laura Bellora, donc comme ça vous voyez. Est-ce qu'il y a un nom? Bikini N en anglais, je suppose que c'est ça. Donc avec plein de petits mots, je trouvais ça chouette, ça peut encore bien mettre. Et moi ça me dérange vraiment pas que ce soit en anglais. Il faut juste que je regarde, parce qu'il y a peut-être que je connais moins, mais ici il n'y a pas trop de soucis. C'est des mots que je gère encore assez bien. Donc moins 50%, c'était parfait. J'ai essayé de me limiter parce que c'était pas pour ça que j'y allais. C'était vraiment pour avoir des sprays, des pâtes à texture et tout ça. Et bon voilà, j'ai le budget quand même limité. Donc je me suis contentée de celui-là alors qu'il y en avait plein d'autres que j'aurais bien voulu prendre. Mais voilà. Alors j'ai pris aussi ceci. Donc c'est les petits mots d'éphéméria. J'avais vu ça sur un haul de je ne sais plus trop qui. Et je les trouvais super beau, et vu que je vais partir en vacances bientôt, je me dis pour faire l'album des vacances, ce sera super chouette, surtout qu'on part en Bretagne, pardon. Et donc ben voilà, ça ira bien avec l'eau, la mer, etc. Donc ça, et puis alors on part vraiment plus sur pour faire du mix média et pour mettre aussi dans dans le scrap, mais voilà. Donc j'ai pris la nouveau Crystal Drop, je sais pas si c'est la première fois que j'en ai, donc je sais pas où on voit les noms. Je sais pas s'il y en a, il faudra que je regarde. Mais voilà, donc celui-ci, une teinte un peu de gris. Pareil, le Crystal Drop donc en blanc. Ah oui, ici les noms. Donc là, c'est le Mercury. Ici, c'est l'Oyster Grey. Et puis alors, j'ai pris un rose. Party Pink. Donc voilà, il y en avait d'autres. Je me suis contentée de 3 dans un premier temps parce que j'aimerais voir ce que ça donne, ce que j'aime bien faire. Et j'essaie de prendre des couleurs que j'utilise souvent. Donc le blanc, ça peut rentrer sur au final un peu toutes mes pages. Le gris, pareil. Et puis vu que je fais beaucoup de rose, bah voilà, je me dis que le rose ira très bien sur les pages aussi. Vu que j'ai 2 demoiselles. Donc on a ceci. Puis ensuite, donc qui n'était pas en promo, on a aussi ceci qui n'était pas en promo, donc c'est des pâtes nouveaux, donc la mousse, j'avais envie de la tester et de l'essayer, donc c'est pour ça que j'en ai pris que 2. Il y en avait d'autres qui me faisaient de l'œil, mais je me suis dit non, calme-toi, c'est quand même 6,30 €, essaye et puis tu verras. Et au fur et à mesure, bah voilà, je ferai mon agrandissement de stock. Je regarde si j'y a le nom. Je regarde, je compare en fait, comme ça je vois si. Oui, ici. Mousse fraîche Cooper et mousse pure Platinum. Donc, si je l'ouvre. Je sais pas quoi ça. Ouais, évidemment, il y a la pluie dessus. Donc, on a une espèce de. Je sais pas trop comment l'appeler. Un peu or rougeâtre. Enfin. Je ne sais pas trop comment ce qu'on appelle. Donc voilà, et du gris, c'est vraiment les couleurs sur lesquelles je pourrais, qui sont les, entre guillemets, les plus neutres, qui pourraient passer avec le tout.
Donc ça c'était pour les mousses et pour les nouveaux. Après j'ai acheté plusieurs encres en spray. Donc c'était vraiment l'idée, c'était pour aller chercher des encres en spray parce que je n'en ai pas. Donc et j'en avais vraiment envie parce que j'ai des idées. Donc je suis tombée d'abord sur les dye ink, donc qui était à 20%, donc je me suis dit ouais, prends-en. Donc là, rosé. Ensuite, bah oui, elle s'appelle encre. Donc encre, je suppose que c'est voilà, couleur un peu bleu-violet quoi. Donc je sais pas trop si ça donne les mêmes tons, je le testerai après. La cire. Et puis alors, donc ça c'est pour les dye ink. J'ai acheté deux irrésistibles, je connais absolument pas. J'ai jamais vu personne l'utiliser. Donc voilà, donc avec moins 30%, donc j'en ai pris deux. C'est une sable du désert et une lavande lulu. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté deux mauves? Parce que j'avais envie d'utiliser et de voir un peu la différence qu'il y avait aussi entre les deux. Donc voilà. Et puis alors, j'ai acheté une seule distress et là je m'en veux. Parce que au final c'est ça que je cherchais. Et je me suis retrouvée avec plusieurs choses dans les mains. Et puis au final, me dire non, stop, hop, 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 on arrête. Et on s'arrête déjà là. Et on verra un peu le mois prochain, voir une fois que j'aurai utilisé un peu tout ça, que je me serai mise avec les couleurs différentes, voir un peu ce que j'aimerais utiliser comme autre couleur. Donc voilà. Et donc, on a ici la Rusty Ink. Donc pareil, qui était à moins 20%. Il y avait aussi la peinture Distress. Et je ne savais pas trop si c'était ce que je pensais. Et au final, je vais te regarder sur internet et c'était vraiment ça. Donc je pense que j'irai en chercher. Donc si vous avez l'occasion d'aller chez les Créateliers Caracol, donc à Griffnier, allez-y parce qu'il y a des réductions. Il y en a aussi sur le site internet. Je ne sais pas si c'est les mêmes. Je ne vais pas faire attention. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour parce que franchement, ça vaut le coup. Donc voilà. J'espère que ceci vous plaira. Je vous montre après tous les petits nuanciers que j'ai pu faire avec ces différentes encres, etc., etc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Je vous montre le rendu de ce que ça fait une fois que j'ai fait mon testeur. Donc on a celui-ci, donc c'est la Dye Ink l'encre qui avait eu beaucoup de temps à sécher. Donc la Dye Easing, pardon, ça a mis vraiment beaucoup de temps. Et vous voyez que ça a un peu détalé les uns sur les autres. Là, c'est la cire. On a la rosée, alors la Distress Rusty Ink, ici. Ici, c'est les irrésistibles qui sont vraiment un effet tout bizarre. Donc, quand on passe son doigt, c'est tout caoutchouteux. Vraiment, je ne m'attendais pas à cet effet-là. Mais je trouve qu'il est très très joli. Ça fait vraiment simple, en fait. Et ici, la vente Lulu. Donc, ça, c'est pour tout ce qui était spray. Ensuite, pour mes nouveaux, j'ai utilisé donc trois pour les Crystal Drop. J'ai utilisé trois différentes en me disant que bah, si j'ai des roses, je remettrai ici. Dans les tons de blanc, enfin gris, blanc ici. Et gris ici. Donc on a ces trois-là. Et puis alors, la mousse, j'ai fait comme ceci. Comme ça, je ne vois pas la différence. Il me faut encore que je perfore le tout. Comme ça, je mettrai ces deux-là ensemble, ceux-là ensemble et puis ceux-ci ensemble. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.